quoi, toujours froid aujourd'hui? Bon, je suis pas coiffée encore, je me suis maquillée, etc. Je suis pas coiffée, il faut que j'habille Lucie, les petits sont habillés. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait rester à la maison. Au final, j'avais dit on va aller au zoo. Et puis, non, en fait, on ira demain au zoo. Et aujourd'hui, si j'ai le temps, là, si j'ai le temps, il faut que je sois à 13h à Kuukkerk, en fait. Parce que depuis longtemps, j'attends pour faire un loto. Et là, il y a un loto. Donc, en plus, il est pas cher. Donc, j'irai bien au loto. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous reprends après parce que là, je suis à la bourre. On est arrivé. Bon, j'espère que c'est là, au loto. Comme ça sera cool, au pire, c'est pas grave. Ah, il y a une abeille. Il y avait une bête qui s'est posée sur moi. En fait, c'est trop joli. En fait, ça, c'est un parc que je voulais venir, que je veux venir pour vous faire découvrir une journée. Du coup, il y a des parcours, il y a la forêt, des trucs comme ça. Donc, du coup, ce sera cool. Attends, Emma, je parle. Voilà, bon, allez, il n'y a plus, on se dépêche pour voir s'il y a encore des places, etc. J'espère que c'est là, autrement, tant pis, ben, on fera le parc. Brian, il a voulu rester avec son papa, donc tant pis pour lui. Bonsoir à tous, alors désolé j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui parce que bah voilà j'ai été au loto, c'était pas mal, on a passé une bonne journée, on était en plein soleil, par contre avec la petite et tout c'était pas évident mais ça a été, franchement j'ai sûrement bronzé un peu, ça c'est cool, bah voilà j'ai pas gagné de l'après-midi sauf à la fin, la dernière partie j'ai gagné, le gros lot à la base 200 €. Et du coup, bah, j'ai dit, tiens, je vais aller, c'était au magasin juste à côté, j'ai dit, tiens, je vais aller chercher des pizzas, etc. Enfin, je vais aller chercher à manger. Au final, je me suis acheté quand même un petit appareil pour le visage et une CCO. Puis je me suis dit, le reste de l'argent, bah, ça fera pour des courses, de la nourriture et puis au pire des cas, le gâteau, etc. Brian pour son anniversaire. Et en fait, arrivé à la caisse, je n'avais pour 110 €. Et dans mes cartes, au lieu de 200 €, je n'avais que 100 €. Donc voilà, donc en fait, il me semblait avoir recompté, avoir vu des cartes de 50 €, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du mal voir, parce que, bah, bon. Il dit, ouais, vous les avez peut-être perdu, ouais, genre, j'ai perdu 200, j'ai perdu deux cartes de 50, comme par hasard. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave, voilà, c'est tout. Au final, je repars quand même gagnante, mais bon, voilà, je suis deg. Tant pis, et du coup, j'ai quand même acheté une, j'avais acheté une Senseo et tout, en fait. Et je sais plus si je l'ai dit, bref. Je vous la montrerai après. Je prends mes habits là et puis je vais me doucher avec Lucie parce que Lucie elle dort pas encore. J'ai essayé de la mettre au lit tout à l'heure mais elle a pas voulu, elle a mangé. Il est 10h20 et elle a pas l'air très. Bah, elle est fatiguée mais elle a pas envie de dormir. Bon. Donc du coup je vais la prendre avec moi dans le bain et puis ça va l'épuiser un petit peu, elle va jouer, etc. Du coup après je vais la mettre en pyjama et puis après elle ira au lit. Voilà. Il y a une... je sais pas si c'est une mouche ou une abeille, ou j'en sais rien, c'est quoi ça? Une drôle de bête. J'espère qu'elle va se barrer après. Je vais ouvrir les fenêtres, comme ça, elle pourra partir. Et bon, bref, autrement, une bonne journée. Je repars quand même gagnante, hein, parce que j'avais dépensé à peu près 60 € si on compte les cartes, les glaces... le repas à Emma, qu'elle a mangé une frite et une saucisse, etc. Donc du coup, ça me faisait quand même 40 €. Et du coup, je repars quand même avec 100 €. Donc, allez. Sur le coup, j'étais deg, mais au final, bon, bah,
Ça arrive à tout le monde, hein, et puis c'est tout, c'est pas. Tant pis. De toute façon, c'est comme ça, donc voilà, on peut rien faire. Et du coup, mais autrement, une bonne journée. Il y a mes amis Madame Test et son mari qui sont venus me rejoindre. Et franchement, ils ont été. Ouais, c'était cool parce que moi, j'étais moi toute seule à ma table. Et puis à un moment, ils ont pris les filles et puis ils sont allés jouer au jeu avec elles. Donc voilà, c'était cool. Moi, je serais allée avec elles après le. Après le loto, en fait, je serais allée au petit jeu. Mais bon, voilà, ils ont été, donc c'est cool. Même Lucie, elle s'est bien amusée. En plus, elle n'a pas beaucoup dormi cet après-midi. Et ensuite, bah là, Emma, elle est partie dormir chez sa marraine et de son parrain. Voilà. Parce que demain, ils vont, je sais plus où. Moi, demain, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Demain, peut-être aller, il y a un parc ici, peut-être y aller parce qu'apparemment il fait beau aussi. Alors, du coup, ouais, il faisait beau. Moi, j'étais en jean comme ça. Ouais, j'étais en train de cuire, j'avais oublié le chapeau à Lucie et tout. Voilà, total quoi. Mais bon, au final, ça a été. Donc, du coup, voilà. Voilà. Une bonne journée, c'est bien, il fait beau. Quand il fait beau, je kiffe parce que là, les jours de pluie, c'est bon. Hein. Et demain, normalement, il fait beau. Donc, du coup, voilà. Je sais pas trop ce qu'on va prévoir. Je sais pas. Je sais pas encore. Puis comme Yaima elle est pas là, ça m'embête parce que comme elle voulait venir, elle veut venir avec nous. Mais bon, au pire j'irai au petit parc ici, on fera la route à pied, puis on ira au parc, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. On verra ça demain. Voilà. Donc là je vais aller prendre ma douche, puis je vous reprends après pour vous montrer la Senseo et l'appareil que je me suis acheté, bah, je l'avais là. Je l'ai là en fait, mais j'ai pas tous les embouts. C'est pour le visage en fait. Et je sais même plus c'est quelle marque. J'ai trouvé ça à Cora, donc en fait il y a plusieurs embouts comme ça. Là j'ai pris celui-là parce que je vais me doucher, donc comme ça je vais me laver le visage avec. Voilà, j'en avais déjà un, mais Léa et tout ils ont touché, tout le monde a touché en fait, et du coup je le trouve plus. Donc du coup celui-là je vais bien le ranger. En plus il coûte plus cher. Je crois que j'ai payé 10 euros celui-là. 10 euros, il y a plusieurs embouts, il y en a 5. Je vous montrerai après de toute façon, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Je le ferai. Je ferai un test devant vous, peut-être. Ouais, peut-être demain, ou je sais pas, on verra. Voilà, bon, je vous laisse, je vais me laver parce que là, j'ai envie d'aller me laver, et puis laver Lucie, et puis comme ça, je pourrais la mettre au lit, et puis elle va bien dormir, Lucie. Voilà, allez, à tout à l'heure. Tous, alors là, il est 23h, je vais aller me doucher. Lucie, c'est bon, là. Lucie, elle est KO, elle a vu Enzo, elle a voulu aller faire un petit câlin. Du coup, je l'ai laissée avec lui, comme ça, lui fait un petit câlin, et puis après, il va la mettre au lit. Et voilà. Ma Senseo, voilà. Donc en fait, ouais, elle est en blanc. Je l'ai en blanc. En blanc, ça va, franchement, c'est pas mal. Ça donne bien. Et j'ai payé, je l'ai trouvé chez Cora aussi, j'ai payé 60 euros celle-ci. Je vous montrerai demain matin au petit-déj. Et voilà. Et puis ma machine, je l'ai oubliée en haut. Donc je voulais vous la montrer. Et en fait, il y a quatre petits disques dedans. Il y a un rouleau de massage, un rouleau de je sais pas quoi, ponçage, un truc comme ça. Enfin, faut que je regarde, faut que je lis bien la notice encore une fois. J'ai eu tout à l'heure, mais je sais plus les mots, les termes, les mots exacts. Mais voilà. Donc là, je vais regarder ma série. Ma. Oh, ouais, ben. Je vais regarder ma série Working Mom sur Netflix. En fait, j'avais déjà vu les 3 saisons. Là, ils avaient sorti la 4e saison. J'étais dégoûtée, ils ne l'avaient pas mis en français. Et là, ça y est, elle est en français. Du coup, je vais regarder ça ce soir. Hier, j'ai commencé. J'ai regardé un épisode, le dernier épisode de la saison 3 pour dire de me remettre dedans. Et après, j'ai enchaîné. J'ai regardé un épisode. Après, j'étais KO, j'ai fait dodo. Donc là, je vais regarder ça. Voilà. Et je vais manger. Je vais manger encore une petite part de pizza, il en reste. Et comme j'ai un petit creux, j'ai pas beaucoup mangé en fait tout à l'heure. Du coup, en plus, elle est encore chaude. Franchement, elle est bonne. Ouais, franchement, elle est trop bonne. C'est Tartiflette. C'est la marque. Attendez. Je sais plus. En fait, pareil, j'ai trouvé à Cora. C'était inacheté, la deuxième à moins 50%. Donc, du coup, j'avais dit, oh, ça va aller vite et tout. Et quand j'ai vu Tartiflette, c'est deux maries moelleuses extrêmes. Et bah du coup, j'ai pris. J'ai pris pour tout le monde Tartiflette parce qu'il y avait d'autres goûts. Mais je sais très bien que voilà, tout le monde il aime le fromage. Alors du coup, si je prends ça et pas. Voilà, il y a tout le monde qui voudra à la Tartiflette. Donc voilà, donc j'en ai pris 4 comme ça. J'ai pris 2 lots. Et voilà, franchement, tout le monde s'est bien régalé. Moi, je vais manger un morceau maintenant devant Working Mom. Et puis voilà. Bon, bah c'est bien.
Donc, désolée, j'ai pas trop filmé cet après-midi, mais bon, voilà. Bon, je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et je vous dis, bye bye!